أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، كل يوم خميس نأتي ونتكلم عن أركان الإسلام. فتكلمنا عن الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تكلمنا عن الشهادة الأولى: لا إله إلا الله. وبعد ذلك بدأنا بالحديث عن الشهادة الثانية: وأشهد أن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله لها شروط، لا بد للمسلم أن يحققها ليتبع بها. لا بد للمسلم أن يحقق شروط لا إله إلا الله لينتفع بها. فلا إله إلا الله لها شروط سبعة، تكلمنا عنها بالتفصيل، وبدأنا بالحديث عن الشهادة الثانية. وقبل أن نتكلم عن مقتضيات هذه الشهادة، بدأنا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا حديثا جميلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني في المعجم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة، وكان رجلا وصافا أن يصف لي شيئا من حلية النبي صلى الله عليه وسلم أتعلق به. إن شاء الله عز وجل chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam. Et on a commencé de parler sur le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est les deux attestations: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. On a parlé sur la première attestation, la ilaha illallah, et on a parlé sur les conditions de cette attestation. Et inshallah azza wa jal, on a commencé de parler sur la deuxième attestation, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, et cette deuxième attestation, il a aussi des conditions. Mais avant de parler sur les conditions de cette attestation, on a commencé de parler sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a choisi un hadith qui ne parle sur l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, la cause de ce hadith-là, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Al-Hassan radiyallahu anhu. Al-Hassan, un jour, il est parti voir son oncle qui s'appelle Hind ibn Abi Halah. C'est le fils de Khadija, radiyallahu anha. Hind, c'est le fils de Khadija avec son premier mari. Et Fatima, radiyallahu anha, c'est la fille de Khadija avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hind et Fatima, c'est des frères, par le côté de Khadija, radiyallahu anha. Al-Hassan, c'est le fils de Fatima, de Ali, le fils de Fatima. Alors, Hind, c'est son oncle. Al-Hassan, il est parti voir son oncle. Il a demandé à son oncle de lui décrire l'apparence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et un peu du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, on a commencé de parler, alhamdoulilah, on a presque fini l'apparence du prophète. On a parlé sur ses cheveux, on a parlé sur ses yeux, sur ses sourcils, sur son nez, sur sa bouche, sur sa poitrine, sur son ventre, sur ses épaules, sur ses mains, sur ses pieds, sur sa peau. Et le jeudi dernier, on s'est arrêté sur le regard du prophète. On a commencé de parler un peu sur le comportement du prophète. On a parlé sur la manière comment il marchait, le prophète. Comment il marche. On a parlé. Kayfa kana yamshi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawaqqafna 'inda an-nadar. On est en train de parler sur comment le prophète marchait et comment il utilise ses yeux. Est-ce qu'il regarde dans le ciel beaucoup? Est-ce qu'il regarde gauche et à droite? Ou bien il fixe toujours ses yeux devant et par terre? Le Nabi, quand il marche, toujours ses yeux ils sont fixés par terre. C'est la modestie. Ça nous montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول عند ابن أبي هالة رضي الله عنه خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le fréquenter, les gens qui l'ont fréquenté, qui ont passé beaucoup de temps avec lui, ils ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, ses yeux, ils sont fixés par terre. C'est pas que pendant la prière. Non, on ne parle pas de la prière maintenant. On parle sur sa vie à l'extérieur de la mosquée. Quand il sort, il va en marché. Ses yeux, ils sont fixés par terre. Quand il rentre chez lui, quand il vient de chez lui, quand il est en voyage, quand il est résident, dans n'importe quelle situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux, ils étaient toujours fixés par terre. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Parce que avec l'œil, on peut commettre des grands péchés. Bil'uyun, hunalika ma'asi yaqtarifuha al-muslimu bi'aylayhi. Il y a des grands péchés que tu peux commettre avec tes yeux. Des grands péchés, je dis pas des petits péchés, je dis des grands péchés. On a parlé déjà sur le regard au haram, an-nadaru ila al-haram. Allah Ta'ala yaqul qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Idan Allah Ta'ala nous demande dans le Coran, dans la sourate la lumière, sourate Nour, Allah Ta'ala nous demande de baisser le regard. Yani le premier péché qu'on peut commettre avec l'œil, c'est de regarder al-haram. Là, Allah Ta'ala, il parle sur quoi? Sur quel haram là? Il parle sur regarder une femme étrangère. Regarder sur une femme étrangère. Al-nadaru ila al-mar'ati al-ajnabiyya bi-shahwa. An-tandura ilayha bi-shahwa. Tu regardes à une femme avec un envie et avec des passions. Bi-shahwa. Aïdan, parmi les péchés qu'on peut commettre avec les yeux, c'est l'orgueil. Tu peux tomber dans l'orgueil à cause de tes yeux. Ida nadarta ila shakhsin bi nadrat ihtiqarin wa izdira'in wa istisghar faqad irtakabta al-kibra bi 'aynayk. Si par exemple, tu regardes à quelqu'un par un regard de la hauteur et tu le considères comme une mouche, comme une insecte, tu le méprises, tu le rabaisses, alors le regard que tu as utilisé, c'est un regard d'orgueilleux. Alors tu as commis le péché d'orgueil. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: La yadkhul al-jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Si un musulman, il a un atome d'orgueil dans son cœur, il ne va pas rentrer au paradis. L'orgueil, c'est très dangereux. C'est une maladie fatale qui peut annuler tes œuvres. Al-kibru yahdimu al-hasanat. Alors imagine, tu regardes à quelqu'un de la hauteur. Toi, tu es là au premier étage et lui, il est en bas. Là, imagine, tu regardes les gens, toi, tu es le supérieur et les gens, ils sont rien.
فهذه النظرة نظرة حرام c'est un regard qui est interdit dans notre religion. أيضا on peut commettre un grand péché avec l'œil, l'espionnage, التجسس على عورات المسلمين. Quelqu'un qui utilise ses yeux pour espionner, pour regarder les secrets des gens, alors là, tu as commis un péché qui est capital dans notre religion. هذا من أكبر الذنوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قبل أن أقول الحديث أقول الآية. يا فيرسي كوراليك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فلذلك الإنسان quand il rentre dans un endroit il doit toquer la porte, il doit demander l'autorisation. وجاء في آية أخرى في سورة الحجرات الله تعالى يقول ولا تجسسوا. Il ne faut pas espionner. Il ne faut pas chercher les défauts de ton frère, les péchés de ton frère. Il ne faut pas suivre les fautes et les défauts de ton frère. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر إلى بيت غير بيته وفقعت عينه فلا ضمان عليه ولا قصاص. Si par exemple quelqu'un il met son œil devant la porte, il met son œil dans un trou qui est dans la porte de chez toi pour regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et toi tu vas casser son œil avec un couteau, qu'est-ce qui va se passer? Il mérite. Et t'as rien devant le juge. S'il pose plainte contre toi, t'as rien. Au contraire, t'as fait ce que le prophète t'a demandé de faire. Devant le juge, ils vont venir la police, il va venir le juge, et t'es libre. T'es innocent. Au contraire, t'as fait ce que cette personne mérite. Imagine, nous avons dans le din, le qasas, Allah Ta'ala dit, النفس بالنفس والعين بالعين. هذا le verset coranique. Si quelqu'un il frappe une autre personne, il va le frapper dans son œil, alors la punition il sera pareil. L'autre il va le frapper dans le même œil, même droite, l'œil droite, l'œil gauche. Mais imagine celui-là il vient pour espionner et tu vas vraiment blesser son œil. C'est bon, t'as fait ce qu'il mérite. La damana alayhi wala. Voilà, ça c'est pour vous montrer la gravité de ce péché-là. Pour vous montrer la gravité de ce péché. Et ça peut passer maintenant avec les caméras, avec les téléphones. Toi, tu parles et quelqu'un, il te filme de loin. Tu peux lui casser son portable. Voilà, damana alayhi. Hada, c'est de l'espionnage. Il n'a pas le droit de te filmer. Il n'a pas le droit de... Même dans la loi, c'est interdit de filmer sans l'autorisation de la personne. C'est vrai ou pas? Hein? C'est interdit. C'est pas interdit? Non, c'est interdit. C'est interdit, oui. Ah oui, c'est interdit. Donc, c'est pas chez toi, je crois que c'est pas interdit. Tant que c'est pas chez toi, Fédéric, c'est pas interdit. Regarde dehors, c'est pas interdit. Mais non, c'est interdit parce que. Il a le droit à l'image. Il a le droit à l'image. On n'a pas le droit de filmer quelqu'un sans son autorisation. Voilà. C'est interdit. Ouais, il faut. Nous, des fois, à la mosquée, on veut faire une réunion avec les enfants pour filmer leur récitation. Il faut l'autorisation des parents. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Interdit. À l'école aussi, il faut l'autorisation des parents. Bien sûr. C'est ça. Voilà, ça veut dire. Hein? Ils sont mineurs. Même pour les adultes. Même les adultes. Là, on parle, nous, de la loi de la religion. La loi de la religion, c'est un péché. C'est un grand péché. C'est pas un petit péché. C'est un grand péché. Pourquoi? Parce que tu es en train de surveiller, d'espionner les secrets des gens. Tu n'as pas le droit de faire ça. Dans nos jardins, des fois interdit. Dans nos jardins. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. Si tu suis les fautes de ton frère,
et tu essayes d'espionner et de trouver ses défauts, Allah Ta'ala, il va dévoiler tes péchés au plein public. C'est Allah qui va te suivre, c'est Allah qui va te surveiller, c'est Allah qui va te dévoiler. Toi, tu cherches à dévoiler les péchés de ton frère, alors Allah, il va dévoiler tes péchés. Ça, c'est un autre péché qu'on peut connaître avec l'œil. Aussi, هُنَالِكَ الْغَمْزُ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Tu fais un clin d'œil à ton ami pour tricher telle personne. Par exemple, tu es un commerçant et tu veux vendre ta voiture. Tu es en train de négocier le prix avec l'acheteur. L'acheteur, il est là. Tu es en train de présenter ta marchandise et tu fais un clin d'œil à ton ami pour qu'il vienne, pour qu'il augmente, pour qu'il embellit ta marchandise. Ah, tu vas la vendre. Oh là là. Oh Allah, subhanallah, je voulais l'acheter, mais subhanallah. Alors, toi, tu as fait un clin d'œil. Ou bien tu te moques, l'istihza. Tu te moques de quelqu'un avec un clin d'œil. Tu fais à ton frère, à ton ami comme ça, regarde. Avec ton nez sans parler, tu as commis un péché grave. Tu es en train de te moquer d'une autre personne. Walistihza laysa min ad-din. Walistihza'a bil muslimin, fallahu ta'ala yastahzi'u bih. Allah ta'ala yaqul, il parle des hypocrites. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Il essaye de tromper les croyants, il essaye de tricher, de se moquer des croyants. Allah Ta'ala yaqul, sakhira Allahu minhum. Ils veulent se moquer des croyants, Allah il va se moquer d'eux. Fadidanik, fais attention, ton œil, il faut bien l'utiliser. Aïdan, parmi les dégâts de l'œil et les péchés qu'on peut commettre avec l'œil, c'est l'envie, al-hasad. Al-hasad, c'est un sentiment qui se passe dans le cœur, mais avec les yeux. L'œil et les dégâts de l'œil, c'est une réalité, c'est une vérité. Il y a un verset coranique qui parle sur l'œil. Le Coran al-Karim, fi surat Yusuf. Allah Ta'ala, yaqulu an ikhwati Yusuf, lamma arsalahum Ya'qub, alayhi salam, ila Misr. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. يعقوب عليه السلام quand il a envoyé ses enfants, 10 garçons, ils étaient beaux, mashallah, il a donné un conseil à ses enfants. Il a dit, il ne faut pas rentrer par une même porte, par une seule porte. Il faut se dispatcher et chacun il rentre par une porte. Imaginez 10 personnes, 10 frères qui se ressemblent, qui sont beaux, qu'ils vont rentrer en même temps. Est-ce qu'ils vont attirer l'intention ou pas? Ils vont attirer l'œil ou pas? Alors, Yaqub, c'est un prophète. Alors, il n'a pas donné ce conseil de sa tête. Il huwa illa wahyun yuha. Les prophètes, ils ne ramènent pas ça de leur tête. C'est une révélation de la part d'Allah, Azza wa Jal. Aïdan, indana hadithun sahih. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيين جليلين. Il y a une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Cette histoire, elle était rapportée par l'imam Malik dans son Muwatta et par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et c'est une vraie histoire. Sahaba, ils étaient en voyage. Il y avait un compagnon qui était un sahabi, ismuhu Sahl ibn Hunayf. Un compagnon qui s'appelle Sahl ibn Hunayf. Dahaba liyastahim. Il est parti pour nager dans une rivière, pour faire sa douche. Il a enlevé ses vêtements. Il est rentré. Quand il a enlevé ses vêtements, il y avait un autre compagnon qui a passé devant lui. Sahabi akha. Il a passé devant lui. Il s'appelle Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu arda. Le premier, c'est un compagnon, et le deuxième, c'est un compagnon. C'est parmi les meilleurs compagnons. Falamma nadara ila jildi. Quand il a vu la peau de Sahl, قال والله ما رأيت أجمل من هذا الجلد كأنه جلد مخبأة كأنه جلد بنت مخبأة لم تخرج للشمس
ولا للبرد ولا للريح ولا لهذه الأمور. جالس في بيتها. Quand il a vu la peau et la beauté du corps de son ami Saïd ibn Hulayf, il a dit, il a un peau, on dirait une fille qui n'a jamais sorti au soleil. On dirait une femme qui n'a jamais sorti au soleil. Ça veut dire une femme cachée, qui est chez elle. Il ne sort pas de chez elle. Tellement. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'au désert, à la Mecque, et Sahaba, leur travail, c'est des travaux forcés, ce n'est pas des travaux simples. Le soleil, jour et nuit, et avec ça, il avait cette couleur de peau. Sa peau, il était lisse, il était vraiment blond. Alors, c'est incroyable, ça attire l'attention. Dans cette culture, ça attire l'attention. Imagine, tu vas au Mali, Matalan, et tu vois un blond. Est-ce qu'il va... Et c'est un Malien. Il est né au Mali. Il a grandi là-bas. De deux parents noirs. Est-ce qu'il attire l'attention ou pas? Hein? Ce sera étonnant. Agir, Amron, agir. Alors, quand il a vu le corps de Saïd ibn Hulayf, il a dit, on dirait la peau d'une fille qui n'a jamais vu le soleil. Sur place, il est tombé. فسقط سهل ابن حنيف فلما سقط جاء الصحابه فزعين خائفين les compagnons ils ont vu il parle pas à peine il bouge sa tête il parle pas il peut pas parler sur place فذهبوا الى رسول الله directement ذهبوا الى رسول الله sont partis voir النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ادرك سهلا فانه يموت viens vite en urgence سهل. Il est en train de mourir. C'est bon. Il est en train de mourir. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتَّهِمُونَ أَحَدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Directement, il a compris que quelqu'un qui l'a touché avec l'œil. قال, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui l'a regardé? قَالُوا نَعَمْ نَتَّهِمُ عَامِرُ بْنَ الرَّبِيعَ C'est lui qui était avec lui. C'est son ami Amir ibn Rabi'a. فَنَادَى فَقَالَ لَهُ تَعَالَى Viens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Amir ibn Rabi'a, ya Rasulallah, il a enlevé ses vêtements et j'ai vu sa peau à Aïtu Jilda et j'ai dit, vraiment, il était magnifique, il était beau et j'ai dit, on dirait la peau d'une femme qui n'a jamais vu le soleil. Faqal Allah ibn Nabi Sassam, Murad ibn Nabi Sassam, il s'est mis en colère contre lui. Qal lahu ala ma yaqtulu ahadakum akha, hal la idra'aita ma yu'jibuka barakta alayh. Pourquoi tu n'as pas dit quand tu as vu quelque chose qui te plaît, pourquoi tu n'as pas dit Tabarakallah, 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 qu'Allah bénit son corps. Pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu veux tuer ton frère? Sur quoi tu veux tuer ton frère? Regarde, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le mot de tuer. Un crime. Ça veut dire, c'est comme il a fait un meurtre. Il a tué, pourquoi, sur quoi l'un d'entre vous tue son frère? Sur quoi, pourquoi tu as fait ça? Et regardez, là c'est un œil de quelqu'un qui a une bonne relation avec son ami. Ce n'est pas un œil qui vient de l'envie de l'hassad. Hada laysa hassad. Cet œil qui a touché, c'est le Hulayf, c'est pas l'hassad. Hada, c'est pas l'hassad. Ça n'a rien à voir avec l'envieux. Avec l'envie, avec le hasad, ça n'a rien à voir. Amir ibn Rabi'a, il n'était pas quelqu'un qui est envieux. Mahsad, non, il n'y a pas de mahsad. Il dit, c'est ma aïnou, aïnou mu'jaba. Quand il te plaît, alors là, toi, tu peux toucher ton fils par ton œil. La maman, il peut toucher ses enfants par l'œil. Le mari, il peut toucher sa femme par l'œil. La femme, il peut toucher son mari par l'œil. Tu peux toucher tes parents, tes frères, tes amis. Allez, c'est un œil de quelqu'un qui était étonné, qui a aimé quelque chose. Mu'jab, ta'ajjab. Fa'idha ta'ajjabta min shay'in fa'kul tabarakallah. Qul masha'allah. Tabarakallah. Il faut dire ça. Quand tu dis tabarakallah, c'est bon. Tu as supprimé l'œil. Tu as bloqué le dégât et le danger de l'œil. Il faut faire. Alors là,
c'est un autre péché qu'on peut commettre avec. Falidalik Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était énervé contre. Et est-ce que celui-là, il a fait exprès? Est-ce que son intention, c'était de faire mal à son ami? Al-Kanat niyatuh an yadur akha. Là, walakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé contre lui ou pas? Il s'est mis en colère. Bal qala lah. Pourquoi tu veux tuer ton frère? Ça veut dire, vraiment, il a parlé de meurtre. Pourquoi? C'est une règle. Quand tu vois quelque chose qui te plaise, qu'est-ce que tu dois dire? Celui qui voit quelque chose, il sait la règle. Maintenant, on connaît cette règle. Tu vois quelque chose qui te plaît, il faut dire Tabarakallah, Masha'Allah. Si quelqu'un, il sait la règle, il voit quelque chose, il ne dit pas Masha'Allah, ça veut dire qu'il a le hasad dans son cœur. Là, ça devient un hasad. Et il a l'envie dans son cœur. Falidalik yaqul al-ulama, kullu hasidin a'in, wa laysa kullu a'inin hasid. La règle, kullu hasidin a'in. Chaque personne qui a l'envie dans son cœur, son œil il est mauvaise. Son œil il est dangereuse. Mais c'est pas chaque personne qui peut te toucher par l'œil et il a l'envie dans son cœur. Non. Il t'aime, il peut te toucher par l'œil. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de dire tabaraka. Tabarakallah. Falidalik al-'ayn khatiratun jiddan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ليس تشين رياليتي. Est-ce qu'il y a des signes علامات المصاب بالعين? Est-ce qu'il y a des signes que je peux vérifier? Est-ce que je suis touché par l'œil ou pas? Les ulama, ils ont essayé de ramasser, de rassembler les signes de l'œil. قالوا أول شيء la première chose, الإنسان الذي أصيب بالعين يكثر منه التتاؤم. Il a le bâillement jour et nuit. Tout le temps fait rien. Il vient de, vraiment, il a pris sa douche, il est bien, fait salat, quand il prie, pendant la prière, écoutez, pendant la prière, il y a des larmes qui sortent de son œil. Ce n'est pas des larmes de concentration de prochain, non, c'est des larmes. Tout le temps. Hadi, le premier signe de l'œil. At-tata'u. Aïdan, qala l'ulama, katratu at-tajashu. Tajashu, huwa avec tigra. Le rotement. Tu rotes beaucoup. T'as rien mangé, tu rotes. Daïman. Et tu vas consulter le médecin, il te donne, par exemple, il te donne un traitement. Et toujours, tu vas finir le traitement et tu ne guéris pas. C'est quoi? C'est le deuxième signe. Aïdan qalou min bayni al-alamat al-ayn adamu ikmali al-a'mali ba'da bidayatiha. Tu finis jamais un travail. Tu as un projet, par exemple, du mariage. Tu vas demander la fille au mariage. Tu vas prendre un rendez-vous à la mairie, bon, et tu abandonnes. Après, tu as un projet, tu vas ouvrir un magasin, tu achètes le magasin, tu as le cabiste de commerce, tu as le fournisseur, bon, et tu arrêtes. Tu abandonnes. Là, tu commences à étudier. Tu as étudié 3 mois, 4 mois, 5 mois, bon, et tu as abandonné. Sans aucune excuse. Tu as la santé. T'as l'argent pour finir, t'as tout pour finir et tu arrêtes. La tukmilu ayya amal da'iman tabda'u l'amal wala tukmilu. Et tu finis pas. Ne vous inquiétez pas, inchallah. Moi je connais, j'ai un numéro de téléphone du meilleur raqi là en France. Le meilleur raqi qui fait ruqya. À la fin, inchallah, je vais vous donner la numéro. Hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Ouais, moi, j'ai le numéro, je vais vous donner à la fin de la conférence. À la fin de la conférence, je vais vous donner le numéro.
fait tout, les femmes, les hommes, les enfants, il fait tout. C'est bon, Inch'Allah. Et c'est pas cher. Il est pas cher, il ne demande pas de l'argent. Voilà. Le meilleur raqi en France. Vous le connaissez ou pas? Non. Hein? Vous ne vous inquiétez pas. Là, je vais vous donner le numéro du meilleur raqi, Inch'Allah. La confiance qui est contractuelle. Non, non, confiance à 100%. Vous, wallah, uqsim billah, wallah, vous n'allez pas trouver mieux que lui. Non, c'est pas grave. Lui, il est prêt. Il a que ça, c'est ça son travail. Il n'est pas en face de nous là-bas. Non, non. Écoutez. On fait des groupes ou... Là, le troisième signe. Quatrième signe. Ah, c'est des signes. Quatrième signe, le vertige. Et des douleurs, des maux de tête. Un lame féroce. Et des vertiges. Tu prends Doliprane, tu vas mettre le casque, tu vas... Il n'y a rien, toujours t'as des maux de tête. Là, il va le rendre. Soudafi. Adin kulluha alamat. أيضا من علامات العين لافينيونتيز الكسل toi t'as la force de travailler là, t'as la force de faire ça, mais t'es fainéant. Des fois t'as même pas envie de se doucher tellement que les gens qui sont touchés vraiment gravement par l'œil, il est sale et il est fainéant de se doucher. Naam. Quand il mange dans son lit, il laisse comme ça, il ne peut même pas ramasser, c'est tout le temps. Ça, c'est du jeûne. Hein, voilà. Quand il déjeune, quand il mange, le dîner, mourir, mousse, sale dans sa vie. Au moins, il est encore jeune, il peut être jeune, fort, mais vraiment, il est fainéant. Un de ces, c'est les signes capitales. Il y a d'autres signes, mais un de les signes généraux de quelqu'un qui est touché par le. Ridalik. Est-ce qu'il y a une protection contre cette maladie? Avant de parler sur la protection, je vais vous raconter deux histoires qui sont réelles. Une histoire, moi j'ai lu cette histoire-là dans un livre qui s'appelle As-Salim al-Battal, l'Ittasaddi al-Saharat al-Ashra. L'écrivain de ce livre, c'est un professeur de Sharia en Égypte. Il a raconté cette histoire dans son livre. Et cette histoire, il s'est passé avec lui et un de ses élèves. Wakana Mudarris, fini al madrasa, au collège, il était professeur des collégiens. Il avait un élève, il avait 13 ans, cet élève, il était excellent. Vraiment, le premier à la classe. D'un seul coup, l'élève, il s'est absenté pendant une semaine. Le professeur, il avait pas l'habitude, cet enfant, le premier à l'école, le premier à la classe, toujours il arrive. Alors, c'est quelqu'un qui est sérieux. Mujtahid, bima'na al-kalima. Le professeur, il est parti demander son adresse, il est parti le visiter pour voir qu'est-ce qui se passe. Il l'a trouvé malade à l'hôpital. Il a posé la question. Il ne parle pas. Les médecins ils sont en train de voir les scanners, les radios. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cerveau? C'est bon, il ne parle pas. Il a posé la question à son père. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mada hadat. Qala lah. Wallahi laqad mata jaruna. Il y avait un décès, notre voisin il est décédé, et on est parti au cimetière pour assister à l'enterrement. Dhabna ila al-maqbara li hudur al-janazah. Faqama ibni bi maw'idatin fi al-maqbara. Et mon fils, il a fait un rappel dans le cimetière. Mon fils celui-là. Qala Allah, qala Rasulullah, il a fait un bon rappel. Qal quand on est rentré à la maison, il est tombé par. Depuis ce jour-là, il est malade. Faqal al-Sheikh, est-ce que tu permets, il a parlé avec les médecins, est-ce que vous permettez que je lui fais une ruqya? Il lui a fait ruqya, il est guéri. Ruqya de l'ayn, il s'est levé sur le champ. Fabari amil hayy. Ça veut dire sa maladie, c'était quoi? C'était l'œil. Quand il a fait le prêche, le rappel au cimetière, bon, peut-être des gens jaloux,
peut-être des gens qu'ils ont aimé sa façon de prêcher, il est encore jeune, et ils n'ont pas dit tabarak Allah. C'est bon. Fa bari'a bi'idnillahi azza wa jalla. C'est la première histoire. La deuxième histoire, il l'a raconté Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et si c'est pas Cheikh Ibn Baz qui l'a raconté, je vais pas la raconter. Moi, c'est vraiment, c'est une histoire que la logique, il croit pas à cette histoire. Mais, nahnu nathiqu fi sidq hadha ar-rajul, c'était quelqu'un digne de confiance, min al-ulama, mata rahimahullah, wa shahida lahu al-ulama bi-zuhdi wa al-taqwa. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il y avait كان هنالك رجلان معروفان بالحسد. Et cette histoire, il s'est passé en Arabie Saoudite. Lui, il raconte l'histoire. Quand il y avait deux amis, et c'était des hommes vieux, Mahsad Abjouj. Un parmi eux, il avait un bétail. Andoulé les vaches, les moutons, les chameaux. Et l'autre, il avait l'immobilier. Andou, des bâtiments. Et il a des locataires chez lui. قال فذهب ذات يوم صاحب الأغنام والأبقار في سفر. هذاك لو بروبريتير دو بيتاي اللي بارتي اون فواياج ان جور. فجاء صاحبه يسأل عليه في البيت عنه في البيت. Son ami est venu toquer à la porte. Il demande son ami. فخرج ابنه. C'est son fils qui est sorti. Il dit ton père il est en voyage. Oui, tu vas où? Moi je vais à la ferme. Et viens, je t'accompagne. Il a fait monter le fils de son ami à la voiture. Ils sont partis dans la ferme. Ils rentrent. Ils commencent à regarder les moutons. Ils sont rentrés dans l'endroit où il y a les moutons. Fikaïn Khiraf. Ils sortent. Le soir, tous les moutons décident morts. Lam yatrok shatan wahida. Lam yatrok shatan wahida. Le père, il revient. Le fils, il lui dit, voilà. Ils ont ramené le vétérinaire, ils ont ramené, ça veut dire ils n'ont pas mangé de poison, ils ont fait ça. Matou, hakala. Khtraouhla. Là, c'est ce qu'on est en train de parler. Est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que ça peut être ou pas? C'est possible. Voilà. Alors écoutez la deuxième. La deuxième, c'est plus forte que celle-là. Khal, fadahaba, sahibul ghanam. Avec le propriétaire de bétail, il est parti toquer à la porte du monsieur. Il sait que c'est lui qui l'a fait ça. Face à l'Ibn, qui est venu, la gueule, c'est ton ami, il est rentré. Le jour où il est rentré, la même journée, c'est bon. Kullu mat, kullu l'ghanami, l'aghnami, mat. Fadahaba ilay. Gallo, écoute, est-ce que je te touche par mon œil ou bien je touche ta maison? قالوا نو توش ما ميزون. قال فنظر إلى البيت فسقط. لا ميزون يتنظر. لا لوجيك ما تقبلهاش العقل. ولكن هذه قصة حضر إليها. فلذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتسقط الفرس من فرسه وتدخل الجمل في قدره فصدق رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليه؟ Il peut faire tomber le cavalier fort de son cheval. Et il peut rentrer le chameau dans la marmite. Qu'est-ce que ça veut dire, il rentre le chameau? Le chameau fort, il rentre dans la marmite. Ça veut dire il était fort, il est touché par l'œil, il tombe par terre, son propriétaire il est obligé de l'égorger. Sinon, il va mourir. Et il débrouille de la marmite. Falidalik l'aïnou haq. Falidalik النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا من هذا المرض. فليس surtout quelqu'un qui porte le hasad, il porte le hasad. والله الذي لا إله غيره, son œil il est fort. فلذلك كيف تعرف الرجل الحسود أو المرأة الحاسدة؟ Comment tu sais que toi, est-ce que t'es touché par cette maladie ou pas? Comment je sais quelqu'un qui est envieux? كيف أعرف الحسود؟ قال العلماء أول علامة للحسود في طريقة نظره. Le premier signe de quelqu'un qui est envieux, c'est sa façon de regarder. Quand il voit des baskets, un camis, il fixe ses yeux. Il ne bouge pas ses yeux.
La deuxième signe, le deuxième signe, fait tariqati kalami, sa façon de parler. Il te parle pas sur din, sur non. Il regarde à peine, il te dit ça va. Oui, combien t'as acheté ça? Oh, c'est bien. Oh, il te va bien. Regarde, je vais voir. Je peux l'essayer. Regarde. Il fixe ses yeux dans l'objet et il veut, il parle de cette chose-là. Il parle pas d'autre chose. Toi, peut-être t'es malin. Hein? Peut-être t'es pressé. Peut-être tu veux cada. Oui. Oh, en plus, c'était soldé. J'ai raté l'occasion. Je vais voir l'autre, le clair. Peut-être il y a la façon de parler. Comment il fixe ses yeux et sa façon de parler. هذه المرح عندي زوج تجربات هذا وقعت ماشي الحكاية هذا كونفيرماسيون لا سي لا كونفيرماسيون كاين انسان قال على ابيه ماشي واحد اخر ابيه قال على ابي عنده العين قال انا كنت كاسب فور نربيه باش نبيعو قال انا كنت مشيت لحوايجي وقلت للزوجة راهو الاب تاعي راح يجي باسكو يكون ماشي معاه قال لي جي وعياك تخليه يشوف واذا سالك قول له باعو قال لها لا جا لعب كيما قال جا وصل دارت له القهوه ما قالت له قال لها جي نشوف ذاك الفور قالت له دي خلاص باعو قال لها لا ما عادش نبغى نشوف المكان تاعو كي وصل شاف الفطور هذا من تم هكذا كي شافو ومشى قال لها قول له دروك يبيعوا بس هو يعرف روحه السيد هذاك جا زار وصل قال لها الاب الاب تاعي جا قالت له ودي راه نقول لك اذبح الفرد تخليش جاب الله واعي جاب اللي ذبحوا هذيك الجنب كامل قاسوا احمر داك الشرب اللي قال هذاك الجنب اللي شافوا احمر كامل ولا هذا انا يعني ولا لا سا كونفيرم سي لا رياليتي. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons quelqu'un qui est vraiment un hasad fi fi qalbi. Quelqu'un qui a le premier signe, sa façon de regarder. Mais le deuxième signe, c'est sa façon de parler. Et la troisième chose, c'est sa façon de marcher, de bouger. Il veut toucher les choses. Ça ne suffit pas qu'il regarde. Ça ne suffit pas qu'il parle. Non, il va toucher. Il préfère toucher la veste, toucher la voiture, toucher ça. Il veut vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a Al-Hassad qui brûle son cœur. S'il ne fait pas ça, il va crever, il va mourir. Lui, il est triste. Il doit sortir Al-Hassad. Falidalik, maintenant, la protection. La protection de l'œil. Je vais vous donner, Inch'Allah, le numéro de téléphone, marqué un numéro de téléphone, le meilleur raqi en France. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vais vous donner le numéro, Inch'Allah, on distribue. Non, vous pouvez le noter, il n'y a qu'un seul numéro. Allez. Regarde, le meilleur raqi en France, c'est toi. Le meilleur raqi en France, c'est qui? C'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que quand toi, tu es touché par une épreuve, tu es dans la nécessité, tu es vraiment dans une épreuve. Et quelqu'un, quand il est dans une épreuve, il fait du'a, il fait ruqya, sa ruqya, il est accepté par Allah 100%. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, « Amman yujibu al-muttarra, idha da'ah, wa yakshifu al-su' amman yujibu al-muttarra. » La personne, quand il est éprouvé, il est vraiment dans une situation difficile, il subit l'injustice, il subit cette maladie, alors s'il fait du'a à ce moment-là, et il fait ruqya pour lui que bil-fatiha, surat al-fatiha. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Tu fais ça, uqsimu billah, et t'es sincère de ton cœur, wallah tatbara. Uqsimu billah, tu vas guérir. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, vraiment toi, tu fais ça de ton cœur. Peut-être la personne qui vient te faire ruqya, peut-être pour l'argent, peut-être pour se faire connaître, peut-être pour te faire plaisir, pour faire plaisir à lui-même, pour faire plaisir à ton ami. Yani niya mukhtalita. L'intention, il est un peu mélangé de tout. Mais si toi, tu fais pour toi-même, ou bien tu fais pour ton fils, ou bien tu fais pour ta femme, tu fais pour ton père, tu fais pour... Alors, est-ce que tu vas faire par sincérité ou pas?
هل ستكون صادقا مع نفسك او تكذب حتى على نفسك؟ هل ستغش نفسك؟ تي بو تريشي توا ميم؟ تي مالاد؟ اسكو تي بو تو نو؟ فلذلك le numéro de téléphone du meilleur raqi en France, c'est toi. Tu écris toi et tu appelles, il va te répondre. Chaque jour, chaque moment, chaque matin et soir, il est avec toi. Matin et soir, il est avec toi. C'est le meilleur raqi. Parce que maintenant, vraiment, tout le monde est touché par lui. Tout le monde est touché par lui. Alors nous, le prophète sallam, il nous a parlé sur le danger de l'œil. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné l'arme fatale. Man salla subha fa huwa fi dhimmatillah. Si tu fais la prière de subh, tu es sous la sécurité d'Allah. Halloula, la première chose. Hein? Dhikrullah. Quelqu'un qui évoque Allah azza wa jal. Matin et soir, quand il mange, il dit bismillah. Quand il monte dans sa voiture, il dit bismillah. Quand il démarre, il dit bismillah. Quand il rentre à la mosquée, il fait du'a. Il rentre dans les toilettes, il fait du'a. Il voit la pluie, il fait du'a. Il voit quelqu'un qui est malade, il fait du'a. Il voit le vent, il fait du'a. Il évoque Allah. Est-ce qu'il sera touché par le vent? C'est bon. Tu auras des rayons parce que l'œil, c'est un arme invisible. C'est une maladie invisible. Et aussi, dhikrullah, c'est des choses, c'est des rayons invisible qui protège, qui te protège de ce mal. Les rayons du mal, ils veulent te toucher, toi tu es une protection. Tu as une lumière. Hein? Une lumière. C'est pour cela, Omar ibn al-Khattab, pourquoi quand il marche, Shaitan il change le chemin. Il est protégé. Il y a la lumière qui le protège. Al-Iman wa taqwa billahi azza wa jal. Même Shaitan, il peut tomber par terre, il peut faire une crise. Il d'abobé binori al-iman wa binori taqwa. Falidalik le musulman, même si c'est la réalité, il y a des dégâts, l'œil est dangereux, mais si vous voulez remarquer, ça peut toucher les gens qui sont faibles un peu de leur foi. Pendant ta faiblesse, ça peut te toucher. Quand tu es motivé, tu fais des prières à l'heure, tu fais ça, tu t'écartes de la religion, tu vas commencer à voir les dégâts de l'œil. Tu es proche d'Allah, tu fais des efforts, c'est bon. Anta fi hifdhi Allah azza wa jalla. Fallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Falidalik les musulmans, on parle de la maladie et on parle des protections. Et après, si la personne est malade, voilà les remèdes. Les remèdes, c'est qira'at surat al-fatiha, qira'at qul huwa Allahu ahad, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويقول الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقي نفسي بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك أو تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة quand tu sors de chez toi أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. T'as fait la protection contre l'œil. Parce que si on a peur de l'œil, on va pas sortir de chez nous. Hein? لن تخرج. فلذلك الانسان quand il sent ces signes qu'il est touché par l'œil, il fait ruqya pour lui-même. Tu fais bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbi. Et tu peux faire sur une bouteille et tu te douches avec. Tu peux faire un seau, une bassine remplie d'eau et tu récites qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas. Et tu fais la douche pour toi, pour tes enfants. Tu prends dans les toilettes. Tu mets le khur. Ma'lish, بعض العلماء قالوا ça passe. S'il y a une divergence, ma'lish, ça passe. Tu récites une fois, deux fois, trois fois, tu peux lire même une fois. Surat al-Fatiha. Tu peux la lire une fois, deux, trois, quatre, cinq, il n'y a pas vraiment un chiffre fixe. Muhim taqra'u al-Qur'an bi niyyati shifa. Allah Ta'ala yaqul wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun liman lil-mu'minin. Allah Ta'ala nous a dit que le Coran il guérit, mais il guérit qui? Il guérit les croyants. Tu dois toi croire au Coran que c'est les paroles d'Allah et que la guérison il se trouve dans le Coran.
Et aussi, tu fais avec cette intention pour toi, Nabi Sallam, le prophète. Sallam, il faisait ruqya pour le Hassan ou le Hussein. Quand il qara'u alayhim, qu'il huwa Allahu ahad, qu'il a'udu bi rabbi falak, qu'il a'udu bi rabbi, bi rabbi nas. Hada, c'est le prophète. Et il fait ce sabab. Kana ya'mal hada, hadihi l'asbab l'himayati mina. Et si tu fais les protections et tu es touché par l'œil, c'est une épreuve d'Allah. D'un matin, le wiqaya. Tout le temps, tu fais la prière à l'heure, tu fais le dhikr, et tu es touché par l'œil. Tu peux être touché par l'œil. Et ça sera une épreuve pour toi. Ibtila, pourquoi ? Allah, il veut nettoyer tes péchés. Allah, il veut augmenter ta foi. Allah, il veut voir ta patience par rapport à ces épreuves. Allah Ta'ala, il veut voir que tu es satisfait sur le destin d'Allah. C'est une épreuve pour toi, là. Voilà, celui-là, quelqu'un qui sait qu'il est envieux, il a le hasad dans son cœur, mahsan, il ne veut pas faire un repentir, il fait exprès, il veut faire du mal exprès. Ben la awwal haja, l'ulama yaqouloun, ajaban lil hasad ma a'dalah, ajaban lil hasad ma a'dalah. بدا بصاحبه فقتله عجبا للحسد ما اعدله قال العلماء quand ils ont parlé sur l'envie ils ont dit cette maladie elle est juste pourquoi elle est juste cette maladie il fait pas la juste parce qu'il commence par la personne il va le tuer lui le premier c'est lui le premier qui va subir et qui va souffrir de cette maladie هذه الاولى الانسان اذا لم يريد ان يتوب فالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. il va perdre tous ses hasanats. S'il a des hasanats, il va perdre tous ses hasanats. S'il a pas de hasanats, il va prendre les péchés des gens. Si il a touché telle personne par l'œil, le jour de la résurrection, il va prendre ses péchés. S'il a touché telle personne, il va prendre ses péchés, il sera jeté à l'enfer. Yakfiha khasara, regardez, le dégât de cette maladie, yakfi, pour quelqu'un qui est envieux, ça suffit pour lui qu'il va perdre ses hasanats et qu'il va prendre les péchés des autres. Ça suffit comme punition. Est-ce que c'est une punition grave ou pas? Ça suffit comme punition. Il perd ses hasanats et il prend les péchés des autres. Falidalik insan yutahhiru qalbahu. Regardez Allah Ta'ala quand il a parlé dans le Coran. Le dernier verset, les derniers sourates. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ. Regardez les نفاثات. نفاثات, ils ont dit les sorciers et les sorcières qui font des nœuds et des loups. سِحْر. Regarde Allah Ta'ala, il a commencé par les sorciers et il a laissé en dernier les envieux, l'ihsada. Pourquoi? Parce que les dégâts de la sorcellerie, c'est moins grave que les dégâts de l'envie de l'hasad. Par exemple, je vous pose une question. Là, à Gonesse, combien on peut trouver de sorciers? Par exemple, combien il y a d'habitants à Gonesse? 10 000 habitants? 25 000. Ok. 25 000, est-ce qu'on peut trouver 1000 sorciers? 5 000 sorciers. Et combien tu trouves de mahsad? Combien vous trouvez d'envieux dans cette vie? Hein? Combien? Tu ne peux pas les compter. Falida que Allah Ta'ala, regardez, il a fini, presque fini son le Coran avec wa min sharri hasidin ila hasad. Et après directement, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ مِنَ الْجِنَّةِ. Ça veut dire les ennemis de djinn et les ennemis humains. Il a fini par an-nas. Il a fini par quoi? Par djinn? Ou là, il a fini par nas. مِنَ الْجِنَّةِ. Ya Allah, je te demande protection. Toi, le Dieu des univers. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, le Seigneur des gens, مَلِكِ النَّاسِ, le roi des gens, إِلَهِ النَّاسِ, le Seigneur des gens, مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ, يَا Allah, protège-moi de shaitan qui fait le waswas dans ma poitrine, مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة جنة للجن للديابل دو جن وزيد على فين الناس il a fini par quoi par les gens il a pas fini par les djinns il a fini par les gens الانسان 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 فلذلك l'être humain quand il est loin d'Allah il est dangereux quand il est loin d'Allah c'est la créature la plus dangereuse sur la planète, c'est l'être humain quand il est loin de la religion. La créature, c'est une règle. Akhtaru ka'irin hayyin fawqa al-kurati al-ardiyya huwa al-insan al-ba'id al-din wal-ba'id al-illah. Le plus dangereux, la plus dangereuse créature sur la planète, c'est l'être humain quand il est loin d'Allah et quand il est loin de la religion. Il fait des catastrophes. Wallah, il change l'air. Maintenant, la pollution, ça vient d'où ? De l'être humain. Les meurtres, les guerres, ça vient d'où ? Les êtres humains. Les catastrophes qu'on voit, ça vient d'où ? Ils ont sali la mer, l'océan. La pollution, dont la, ça vient d'où ? De l'être humain, l'être humain, l'être humain, l'être humain. فَلِدَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ قَالَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Il a laissé. Ya Allah, préserve-moi des gens, des mauvaises personnes. فَلِدَلِكَ Al-Muslim, يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَخَافُ Le musulman, il place sa confiance en Allah, il soit sérieux avec Allah, et il fait les causes. يَقْرَى الْقُرْآنِ يَذْكُرُ اللَّهِ Il fait ses prières. Alors, Aydan, et moi j'ai remarqué, les gens qui sont touchés par l'œil, ou bien par la sorcellerie, ou bien par les djinns, c'est les gens qui sont faibles d'esprit. Les faibles d'esprit, les aaf, les iman, c'est eux qui sont touchés par ces maladies. Les shaitan, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir sur un croyant. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ Il n'a pas de pouvoir sur les croyants. Il a le pouvoir sur ses alliés, sur les gens qui le suivent, sur les gens qui sont loin d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yaqul inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Aussi l'être humain, le diable humain, quelqu'un qui souhaite le mal pour les autres, il est faible. Il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il est loin d'Allah. Man kana Allahu ma'ah, faman alayhi. Wa man kana alayhi Allahu faman lah. Si Allah il est avec toi, c'est bon. Qui est contre toi? Personne. Et si Allah il est contre toi, qui est avec toi? Hein? Personne. Alors sois avec Allah, tu vas trouver Allah avec toi. Kun ma'a Allah tarallaha ma'ak wa atruk al-kull wa hadir tama'ak. Idha a'taka Allah man yamna'uhu, thumma man yu'tika idha ma mana'ak. Quand Allah il te donne quelque chose, est-ce que quelqu'un il peut l'empêcher? Il peut le bloquer? Si Allah t'enlève quelque chose, est-ce que quelqu'un il peut te rembourser? فلذلك sois avec Allah. Et ne crains ni l'œil, ni le shaitan, ni les djinns, ni les êtres humains, ne crains personne. Kun ma Allah, fatar Allah ma'ak, falidalika awwal wasiyatin a'taha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas qala lahu ya ghulam ihfaz Allah yahfazuk. Le premier conseil que le prophète a donné à son cousin qui va devenir après le grand savant des compagnons, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il lui a dit Préserve Allah te préservera. Préserve Allah te préservera. Comment tu peux préserver Allah? Est-ce que nous on peut protéger Allah? Est-ce qu'on peut préserver Allah? Ça veut dire préserve les ordres d'Allah et la religion d'Allah. Allah il va préserver ta santé, il va préserver ton argent, il va préserver ta femme, tes enfants, ainsi de suite. Ihfadillaha. Ida sa'alta fas'ali. Quand tu veux demander quelque chose, demande Allah. Wa ida sta'anta fasta'in. Et si tu veux un soutien fort, demande le soutien d'Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Et sache que c'est toute la communauté. Et quand je dis la communauté, ça veut dire les musulmans, les non-musulmans, tous les êtres humains. Et les djinns. Ils se rassemblent pour te faire un bien, pour t'accorder un bien. Ils ne peuvent pas t'accorder ce bien, sauf si Allah a décidé que le bien, il va te toucher.
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et sache que toutes les créatures se rassemblent pour te faire du mal, ils ne peuvent pas te toucher par un mal, sauf si Allah il a permis, il a autorisé que ce mal il va te toucher. Allez, c'est une règle. Regardez, cette règle, le prophète a annoncé, il a transmis cette règle, il a enseigné cette règle à son cousin quand il avait l'âge de 7 ans, entre 7 ans et 9 ans. Ça veut dire depuis 7 ans qu'il va avoir cette foi, c'est bon. Quand il va grandir, ne crains rien, ni l'œil, ni... T'es correct. Si tu préserves la religion d'Allah, les ordres d'Allah, Allah il va te préserver. Le jour où t'es touché par une épreuve, par une catastrophe, tu vas réfléchir, ah oui, j'ai fait ça. C'est moi qui n'ai pas respecté, c'est moi qui n'ai pas préservé la religion d'Allah. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un repentir. Tu ne vas pas courir voir quelqu'un qui te fait ruqya. Ou bien quelqu'un qui te fait... Non, tu vas directement retourner vers Allah Azza wa Jal. Fafirru ila Allah. Tu vas courir vers Allah Azza wa Jal. Nous maintenant, le mouchkil, c'est l'iman, l'aqida. L'iman, la foi, il est faible. Il est faible quand on est touché par des catastrophes, des épreuves. On ne court pas vers Allah. Allah, c'est le dernier. Je toque toutes les portes et Allah, c'est le dernier. نطرق كل الأبواب وندع باب الله المفتوح هو الآخر. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Je vais consulter, je vais voir le médecin, je vais voir le raqi, je vais voir ça, je vais voir ça. Ou حنا عندنا, tu pries dans le dernier tiers de la nuit, Allah il te dit qu'est-ce que tu veux, je te donne. Qu'est-ce que tu veux, je te donne. As-sadaqa. داو مرضاكم بالصدقات تتصدقوا لله يا الله. Moi j'ai écouté ton prophète, il nous a dit si tu donnes une aumône, Allah il va guérir ta maladie. Voilà ya Allah, j'ai confiance en ça. تتصدق الله تعالى يداوي ويشافي. الدعاء, tu fais الدعاء وتتضرع إلى الله. الدعاء هي سهام الليل, c'est des flèches qui partent dans la nuit vers Allah Azza wa Jal qui monte. Allah il va te guérir. Nous on laisse tout ça et on commence par tel à toquer. Et le cœur, il sera attaché à telle personne. Imagine, si tu vas consulter quelqu'un, il te fait ruqya et tu vas guérir. Regardez ça, c'est le danger. Le danger de ruqya. Le danger. C'est quoi le danger? Imagine, il va te faire ruqya, tu vas guérir. Après, tu tombes malade. Tu vas le voir, il te fait ruqya, tu vas guérir. Ton cœur, il va s'attacher à qui? À Allah ou bien à Raqi? Hein? Le Raqi, lui, qui fait? Si il n'a pas une protection, la science, la foi, la piété dans son cœur, il va croire qu'il guérit les maladies. Il peut tomber dans l'association. Il va te dire, non, moi, c'est bon, moi, je guéris. Shaitan, il vient lui dire, c'est bon, toi, t'es béni, toi, t'as la bénédiction. Il suffit de repasser tes mains maintenant, c'est bon. Maintenant, tu n'as pas besoin de lire. Il suffit de repasser tes mains. Et des catastrophes et des catastrophes qui se passent. Ça peut arriver des trahisons avec des femmes. Ils vont faire commettre hatkun a'ram. Ils vont forniquer avec des femmes à cause de ça. Ils vont faire ça. Ils vont faire yattali'una al'aw. Ils vont gâcher des secrets, sortir les secrets des gens. فَلِذَلِكْ لَا تَأْتَمِنْ عَلَى سِرِّكَ إِلَّا أَمِينَ. Il ne faut pas donner ton secret à n'importe quelle personne. Quand tu veux consulter quelqu'un, consulte les gens de la science, dignes de confiance. الَّذِي يَعْرِفُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Il va te donner une réponse. Des fois, il vient des gens pour poser une question sur le ruqya et tu lui dis, mon frère, là, il ne te faut pas le ruqya toi. Il te faut que tu te lèves et tu fais la prière à l'heure. Tu ne fais pas ça dans le Tu ne fais pas ça. Tu dois jeûner lundi, jeudi, tu dois salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire l'istighfar. Non, il veut une bague magique, Pâques. Non, c'est pas ça. Toi, il te faut que tu règles ta relation avec Allah. La budda an tusliha qalbaka ma Allah azza wa jalla. Falidalik, là, c'est en résumé pourquoi on a parlé sur tout ça. Parce qu'on était en train de parler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il marche. Le prophète, quand il marche avec modestie et il fixe ses yeux par terre. Ses yeux, ils sont par terre. Alors, si tu veux imiter le prophète,
qui veut suivre le prophète, tu veux que tu t'habilles à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu marches, qu'est-ce que tu dois faire? Baisse ton regard. Comme ça, tu vas ni toucher tes personnes par l'œil, ni regarder le haram, ni espionner, ni faire un clin d'œil, ni s'en moquer des gens. Ça veut dire toujours t'es concentré avec Allah. Tu marches avec modestie et tu baisses ton regard comme il t'a demandé Allah. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فاللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.